putain de mix, ça, j'y ris grave. C'est dur, hein. J'ai aussi la narine. Le mec il travaille en lunettes de soleil. Alors, à la base, je devais pas être là aujourd'hui, et du coup, c'était soirée ramen hier, et c'était moi qui cuisinais. Mais 3h30. Je devais pas bosser, hein, c'est pour ça. Et, oui, bah je suis venu, normal. Bah, c'est normal, on se donne des coups de main entre nous. Et bien sûr, j'ai commencé à faire du custom avec mes potes qui regardaient tout ça. Alors, le problème, c'est que les vapeurs, tout ça, à cette heure-là, ça fait mal. Donc, j'ai un petit nœud d'œil. Voilà. J'arrive pas à dire bonjour. J'arrive pas. Je dis tellement bonjour toute la journée depuis si longtemps. Au revoir, ça passe. Mais alors, bonjour, c'est dur. Alors, tout ce que vous me proposez là, c'est tentant. Mais c'est pas mon style. Je suis peut-être trop punk. C'est ça. C'est pas beau, hein. Va falloir couper là. Je vais me remettre un petit coup d'eau. Je reviens. Je reviens. Attention. Parce qu'on est entre potes. Hein. Moi, je n'ai pas à 200 000, 300 000 abonnés. Je m'en branle, complet. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Mais s'il vous plaît. Moi, YouTube, à la base, je m'en fous complètement. Je m'éclate. Hein. Ça prend beaucoup de temps, c'est clair. J'essaye de répondre tout le temps. Hein. C'est réflexe Facebook. Un client qui arrive. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Oui, ça va toi? Et bien, qu'ils sont faits? Tu veux voir ce week-end? Machin, tu veux venir me voir? Oui, ça finit souvent comme ça. C'est ça qui est sympa. Tout ça pour dire, je vais pas monétiser Totos Kirby Rose parce que ça mérite pas que je fasse de l'argent alors que je suis juste en train de me filmer la gueule, quoi. Après, voilà, quand on fait des fakes ou des vidéos à la con dans le magasin, c'est pour rigoler ou pas. Enfin, des fois, ça dépend. C'est pour la pertinence, voilà. Cette chaîne, ce que je voulais faire à la base sur cette chaîne, c'était de la pertinence, pure et dure. C'est-à-dire que même quand un hater débarquait, bon, je parle pas du mec qui dit fils de pute de te faire enculer ta gueule, etc. Parce que ça, t'as un pouvoir sur YouTube quand t'es dans une chaîne, c'est que tu peux le dégager très très rapidement. Ou tu peux le mettre en cachet, et le mec il croit qu'on le regarde, et il continue à parler, etc., etc. Il est tout seul dans son monde. Jusqu'à ce qu'un pote lui dise, dis donc, je crois bien qu'en fait on te voit pas du tout. Voilà. Mais après, tu comprends les gens qui ont un statut, tu vois, et qui veulent le nettoyer. Le problème, c'est que tu peux pas tout nettoyer. Quand tu fais beaucoup de caca, tu fais du caca. Bon, je peux pas parler de ça. Juste pour dire qu'en fait, je ne veux pas monétiser la chaîne. Et c'est pas pour faire style. J'en ai vu un l'autre fois, il a rien compris. Il a mis. Ouais, mais tu verras, là il en a que 1000, quand il en aura 6000. C'était il y a pas longtemps. Désolé, mec. C'est pas au bon endroit, ça sert à rien. Je veux pas monétiser cette chaîne. Et puis, je veux dire, je sais que les gens, il y a des gens qui vivent de ça. Mais, je sais pas, pourquoi gagner de l'argent? J'ai un métier, moi. Je vois pas pourquoi je devrais gagner de l'argent en faisant le couillon devant une vidéo. Je sais que des gens ont fonctionné en marché et ils se sont fait plein de choses, d'argent, tout ça. Mais moi, je vois pas pourquoi. Enfin bref, moi j'ai un métier. Quand ça sera terminé, la chaîne, elle va fermer. Pour moi, c'est pas ma chaîne. J'en suis responsable à partir du moment où je dois faire attention à ce qui s'y passe. Oui, mais plus dans les commentaires que dans les vidéos, puisque vous commencez à me connaître. Vous savez très bien ce que je pense ou ce que je dis. Donc voilà. Moi, si je dis que j'ai envie de baiser un Pokémon,
ça va pas être repris sur le 18-25 en disant « Ouais, le mec, c'est un pédophile » ou « Je sais pas quoi » ou « On a Jeannot pour ça ». Alors, je déconne. Mais voilà, je veux dire, c'est une question de crédibilité et de connaissance de l'humour. Il y a des gens qui n'en ont pas. Et quand ils essayent de montrer qu'ils en ont, eh bah... Antoine, j'adore ton travail. Oh voilà, donc j'ai pas à monétiser cette chaîne, je m'en fous, et puis à aucun moment je me suis dit que j'allais le faire, même moi quand j'ai ouvert, ça m'a demandé, il y avait le truc, voulez-vous monétiser, machin, c'est débile, enfin bref, je m'en tape, je le ferai jamais, donc c'est quelque chose qui m'est complètement passé à l'as. Après, le fait que qu'il y ait des vues, et qu'il y ait des gens qui s'abonnent, oui, ça peut être grisant. Mais ça peut être grisant pour quelqu'un qui a jamais connu la grisétude. Ouais, je vous explique pourquoi je dis ça. Et pour revenir encore sur cette histoire de chaîne et de monétisation. J'ai fait de la musique pendant 8-10 ans. Attention, entre potes, hein, voilà, on finissait dans les bars... C'est le cas de dire, finissez dans le bar. Et moi, j'étais donc chanteur. Après, je tape sur les instrus vite fait, etc. Mais il a fallu, en fait... il faut un centre de gravité dans un groupe. Voilà. Et j'étais le meneur. Voilà. J'ai été le meneur... mais pas que pour de la composition, puisque ça dépend dans quel groupe j'étais, attention, parce que j'ai joué avec un très bon guitariste, un ancien très bon pote qui aujourd'hui est dans... Je dis pas le nom du groupe. Bref, mais en règle générale, j'étais meneur. Mais ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire aussi promotionner le groupe, ça veut dire le mettre en avant, se vendre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à peu près instinctivement. Et à partir de là, je sais encadrer. Voilà. La preuve avec mon travail, je suis totalement capable, et j'ai eu fait plein de fois, de créer des tournois, jeux vidéo, cartes à jouer. Je me suis ponté à la Alti Geek pour que ça devienne un événement un peu plus grand. Et sympa, du coup, et très, très village. Si j'aime bien, ça reste village. Donc voilà, quand... t'as fait aussi de la scène et que t'as vu des gars secouer la tête devant toi et ça te motive et t'as envie d'y envoyer et je dis pas j'ai jamais fait des grandes scènes, attention hein. Mais tu sais il y a beaucoup de groupes qui te diront mieux vaut avoir un bar bien rempli avec des gens bien motivés, passer 45 minutes une heure à fond avec eux, avoir partagé un grand moment, parler avec eux après, pendant, etc. qui tu entends les mecs de devant et que tu vois les mecs qui sont quand même au fond, c'est mieux que d'être dans une scène monumentale où tu gagnes ta vie, et là faites le rapprochement avec YouTube, et où tu verras pas les gens du fond et où tu n'entendras pas les gens de devant. Bah moi je le vois comme ça, c'est à dire que ça ne me grise pas, je m'en branle complet, la notoriété je la cherche pas, j'aime ce que je suis. Je me suis toujours construit, j'ai été éduqué correctement, je pense être assez poli, et je ne chercherai pas à avoir une quelconque gloire. C'est pour ça que je comprends aussi des gens qui ont, ça a été dit 10 millions de fois sur les vidéos, bon, je m'attarde maintenant sur YouTube, des gens qui ont un talent et qui percent pas, des gens qui ont la technique mais qui ont pas le talent de la vidéo, je parle, et qui percent pas. C'est clair que de voir un petit con dans un magasin en train de faire du clash, attention, hein, j'insiste, je suis vraiment né à cause de ces conneries. Et le mec, il passe de, je sais plus, je crois que j'ai pris, ça fait un an et demi que je suis sur YouTube, par la force des choses encore une fois, et que je suis passé de, je crois que j'ai vraiment pris 1000 par mois à un moment, je veux dire, stop quoi. Stop, pas. Comment ça stop? Bah stop parce que après je vais parler, je peux vous parler quoi. Vous allez être, je sais pas combien, vous allez être gentil comme tout, mais c'est trop. C'est trop à parler, à discuter. Et moi j'ai le réflexe de m'attarder. Du coup ma vie elle a pris un putain de coup.
Bien sûr que c'était prévisible à partir du moment où voilà, on a fait les choses pour que je partage quelque chose de naturel avec vous. Mais voilà, je veux pas, je monétiserai pas la chaîne, et c'est sûr à 100%, et je vais pas le faire. Je vais pas le faire, c'est pas la peine. Je sais pas, je comprends pas pourquoi. Bref. Et quoi, que ça me rapporte quoi, comme on m'a dit, 40 euros de plus par mois, mais je m'en tape. Je m'en tape. Si je voulais de l'argent, je vais le répéter encore une fois, si je voulais vraiment de l'argent, je serais pas ici. Je suis pas là. Je serais pas là. J'aurais acheté un Kangoo, j'aurais mis mes pots de peinture, mes rouleaux, ma cam me coûterait un temps, ma marge serait comme ça, mes impôts seraient comme ça. Voilà, je veux dire, c'est pas compliqué d'aller repeindre la salle de bain de la vieille. Attention, quand tu sais le faire, parce que j'ai des études pour ça, je vais vous éclairer encore une fois là-dessus, je sais pas si je me suis attardé ou pas. Après, je sais pas si ça fait de moi de quelqu'un d'intelligent. Mais à la base, je voulais être dessinateur. Je voulais aller à Médégasquier sur Clermont-Ferrand. Il y a une session qui s'appelait dessinateur en exécution publicitaire, un truc comme ça. Et mes parents voulaient me payer ça, mais ça allait trop loin, c'était beaucoup trop cher. Et je me suis dit, j'ai toujours baigné dans le bâtiment, donc bah c'est parti. Pas que je veuille vraiment faire ça, mais dans la vie, il faut vraiment avoir des capacités manuelles, et aujourd'hui ça s'avère exact. Donc j'ai fait toutes mes études en plâtrerie peinture. Alors ça n'existe plus normalement ces diplômes là. J'avais un CAP PP, plâtrier peintre, un CAP PVR, peintre vitrerie revêtement, un bac professionnel finition bâtiment, et le BEP finition bâtiment aussi du coup. Et j'ai voulu continuer un peu plus loin, mais l'âge, tout ça, et l'envie d'avoir de l'argent, l'envie de pas emmerder tes parents, que j'adore toujours, ils m'ont gardé quand même jusqu'à 26 ans. Moi j'ai fini mes études à 20, voilà. La vie a fait que tu veux ta caisse, tu veux ta voiture, tu veux. Donc, j'ai travaillé et passé un moment, ça m'a gonflé parce qu'on me fait des remarques par rapport à mon âge et on me donnait déjà des. Tu sais, quand t'arrives. En scooter, parce que ta voiture elle est en panne, avec les fûts de peinture à tes pieds, les plans de chantier, c'était à Périgny à l'époque, et qu'on te dit bon bah voilà, le monsieur Mazet il a dit il faudrait que toi tu fasses ça, ça, ça et ça, et hop, tu retombes tout de suite passer le balai, tu vois, hein, ou bon, je déconne, je suis pas allé jusque là, bah forcément c'est mal vu par les anciens, c'est comme ça, mais donc du coup, moi j'ai fait bâtiment et je continue, hein, je suis dans ma maison, je continue à travailler. Voilà quoi. J'aide mon papa m'aide, etc. On est bien d'accord. Donc je suis toujours dedans. Hein. D'ailleurs, j'ai les bandages en retard là. Mais si je veux faire de l'argent, je sais faire de l'argent. Et j'ai pas besoin de faire les caddies plein de Skylanders et passer ma vie sur internet devant un écran. Franchement, je préfère aller à l'air libre. Les blackers là. Là j'ai vu que maintenant tout le monde disait blackers. J'adore. C'est moi qui ai dit le premier. Rien à foutre. Ouais, bon. Bah voilà. Donc moi l'argent, j'en ai jamais vraiment eu besoin parce que j'ai toujours fait attention. Voilà. Je dois être un Auvergnat, j'ai toujours fait attention. Donc je vais pas revenir dessus. Quand vous me parlerez de ça, je vous enverrai sur cette vidéo. C'est tout. Donc, comme la musique, j'en faisais pas pour être connu et j'en faisais pas pour faire de l'argent. On le sait ça, dans le monde de l'intermittence, du spectacle. Là. Voilà. Donc, c'est le moment où je vais vous dire au revoir. Au revoir à tout le monde. Ciao. Il t'a dit, je te l'avais dit. Allez, c'est bon, arrête de faire la gueule là.